C'est sous ce folklore mythique appelé Dikbili en Tribiboa, auquel le gouverneur Nzanza Bombiti a esquissé quelques pas de danse, qui a été intronisé en dédié Mabankole comme chef de la chefferie Bokapo. Cette cérémonie d'intronisation a été présidée par le comité de l'association des chefs coutumiers du Bazuélé. Au terme d'une consultation de la famille régnante sur ordre du gouverneur de la province du Bazuélé, suite aux mésententes qui avaient élu domicile à la tête de cette chefferie, Nzanza Bombiti Jean-Robert invite la population de Bokapo à la cohésion sociale. Nous avons quitté très loin pour venir jusqu'ici. C'est pour honorer nos ancêtres et papa Jean Kadé qui nous a laissés. Aujourd'hui, tu es devenu chef pour la continuité de ce que ton père a commencé. Il faut travailler en collaboration avec tout le monde pour qu'il puisse vous aider. Message salué par la population prise d'assaut à la cour du chef lié de cette chefferie. L'administrateur du territoire de Bambessa, Madame Segemoke Suzanne, demande à la population de soutenir l'initiative du développement qui seront prises par les tout nouveaux chefs. Vous-même, vous l'avez choisi et présenté par les chefs. Comme les représentants du milieu, vous devrez exécuter les travaux qu'il va vous donner. Ce nouveau chef de la chefferie Bokapo remplace son père Jean Kadé Lekombe, décédé il y a 2 ans. Le gouverneur de province, le professeur Nzanza Bombiti Jean-Robert, est allé s'incliner devant la tombe de celui-ci qui était considéré comme le nez de toutes les chefferies du territoire de Bambessa.